Eh ben, salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'Harry Potter à l'école des sorciers sur Xbox. Oui, Xbox. Je veux dire, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Xbox. Mais je sais pas. Enfin, moi, c'est sur Xbox le jeu, mais la console, c'est Xbox 360, bien entendu. Alors, on doit retrouver. On doit trouver. Attendez, que je regarde. Non. Je dois regarder. Voilà. Je dois trouver. Qu'est-ce que je dois trouver? Carnet de notes, livre de sort, le feuille broutille, livre des sorts. Les ingrédients, livre des ingrédients pour potions. Voilà. Alors, il faut trouver à Wingenweld. D'accord. Ouais. Alors, non. Pour faire un Wingenweld, il faut un Aphrodel. Du Dictame. Dictame, pardon. De l'écorce de sorbier. L'écorce de sorbier magique est souvent utilisée dans les potions. Le Dictame est un puissant fortifiant qui rappelle avant d'être utilisé dans des potions. Aurait dû. Alors, je sais pas si on va trouver tout ça. Alors, on y va, c'est parti. J'ai oublié que la maniabilité du jeu est différente. Alors, déjà, on va faire dedans. Fondant du chaudron. On va donner de la vie. La sardine. Là, je peux pas les prendre comme ça. Même pas les vendre. Alors, à quoi ça sert? Il doit y avoir une porte par ici. Je devrais peut-être essayer d'utiliser un lumos. Une petite seconde, je fais le tour. Sois pas si patient, mon petit gars. Bon, ça c'est que je veux pas tourner, tourner. Lâche-toi, t'as raison. Ah ok, il y a bien une petite porte là. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Non. On va trouver un truc je recherche. Alors on a quoi là? On a fondu là-dedans. Un fondant du chaudron. Ça c'est quoi ça? C'est pas un truc à fondre ça, non? Ok, alors c'est parti. Alors, vous êtes bien gentil. Je fais comment pour bouger là? Oh, quand vous dites que je voyais où je vais. Alors, où est-ce que je dois aller?
par là. Ah d'accord, ok. Ah la maniabilité du jeu, mais vraiment quoi, c'est vraiment pas... Oh, crotte de nez! Crotte de nez. Affreux, on vomit. Cette idée. Ah ok, donc en ramassant ces gobelins, j'ai été libéré, enfin, il y a une statue. Ouais, et je fais quoi avec ça? Je reviens à la caisse départ, donc c'est pas cool. Je mets ça en plein milieu, ouais. Ah, voilà, c'est comme ça. Alors... Là, je crois qu'on a trouvé, là, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah bah voilà. Alors on l'a du coup, on l'a récupéré, on a le Afrodel. Ouais.
donner la clé. Ouais, je comprends quoi, dis deux là. Des fois le jeu il y a un problème hein, parce que... Voilà, lance dans le trou. Encore un. Pour l'instant tout va bien. On va fouiller. Une carte de sorcier. Morgane. Demi-sœur du roi Arthur. Férue de magie noire, ennemie jurée de Merlin. Moyen Âge, dates inconnues. Ouais, donc ce qui est marrant dans le jeu Harry Potter, c'est qu'ils mettent aussi des personnages du roi Arthur et compagnie. Quoi. Non. Bon, on peut rentrer maintenant. Ouais. Il y a un truc qui m'intéresse. Bon bah alors tu te retires. Voilà. Il y a vraiment des gros problèmes de graphisme à l'époque quand même. Gros problème de jeu on va dire. Carte de sorcier. Burdock Muldoon, chef du conseil des sorciers de 1448 à 1450, 1429, 1490. Voilà. Ah, du coup. Je m'en vais, j'ai mon ingrédient. En espérant qu'il n'y avait que ça à aller chercher. Je crois qu'il y en a deux autres à trouver avant le prochain cours avec Rogue. Oh là là, j'aime pas parce que côté direction, regardez hop, je sais même plus où je vais. Voilà, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors pour avoir les autres ingrédients, c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il me faut un sort de découpage, déjà. Donc je pense que c'est pour retrouver Ron. Voilà, attendez, à moins que par ici.
Je peux y aller. Ah, c'est un cul-de-sac. Je suis là, là, et on fait quoi? On parle? On ne peut plus rien faire. Je vais me coucher. Eh ben, on va aller se coucher, on va tourner la journée, on va se terminer la journée alors. Finir la journée, voilà, on a fini la journée. Deux points pour Serdaigle, ouais. Une nouvelle journée commence, ça doit être la journée numéro 3. Voilà. Alors, quelle est la mission? Je comprends à qui il touche, il n'y a pas de tâche à faire, donc c'est-à-dire qu'il faut descendre et aller voir par nous-mêmes. Le jeu. T'en fais pas, on ne meurt que dans les vrais duels, avec de vrais sorciers. Tout ce que vous arriverez à faire, Malfoy et toi, c'est à vous envoyer des étincelles. Vous ne vous y connaissez pas suffisamment en magie pour vous faire du mal. Je suis sûr qu'il s'attendait à ce que tu refuses. S'il essaie de te jeter un sort, arrange-toi pour esquiver. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire pour les neutraliser. 11h30. Il est temps d'y aller. Comment tu peux faire une chose pareille, Harry? Toi, retourne te coucher. Viens. Ok. Alors, on y va. Vous vous en fichez de Gryffondor. Vous ne pensez qu'à vous-même. Je ne veux pas que ce soit Serpentard qui gagne la coupe et que vous nous fassiez perdre tous les points que j'ai gagnés avec McGonagall. Va-t'en ! Demain, quand vous serez dans le train parce qu'on vous aura renvoyé, vous vous souviendrez de ce que j'ai dit. Vous êtes... Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ça te regarde. Nous, il faut qu'on y aille. Sinon, on va être en retard. Je viens avec vous. Allez, Harry. Il faut qu'on se dépêche. Suis-moi au 4e étage. Ok, on y va. Il dit dessus au 4e étage, mais il faut toujours voir les portes pour les autres. Là, on est au 7e étage, donc il faut descendre. Okay. Six, cinq et quatre. C'est-à-dire que je suis blindé, donc c'est pour ça. Par ici, Potter. Alors, tu es venu avec des renforts? Bien. Ils vont pouvoir admirer ta défaite. Suis-moi, qu'on en finisse. Hein? Au revoir, Gryffondor. Ah Et vous voilà à l'étage interdit, ma parole.
J'ai bien fait de prévenir le professeur Rogue. Il va arriver d'un moment à l'autre. Salut, Malfoy! Il n'y a qu'une seule sortie, et elle est verrouillée. Tu connais un sort pour la déverrouiller? Bah, évidemment. Il s'agit du sort de déverrouillage Allo Homora. Le problème, c'est que je ne sais pas le lancer. Mais je me souviens avoir lu quelque part que le livre du sort Allo Homora est gardé dans la bibliothèque. J'ai entendu parler d'un raccourci au bout de ce couloir. Harry, tu dois trouver le livre du sort Allo Homora, puis revenir ici pour nous faire sortir. C'est encore à Bibi de faire le boulot, quoi. En gros, c'est ça. Ça c'est quoi ça? C'est Allo Homora? Allo Homora? Cronyanya. Voilà, c'est parfait. Donc on va pas rester plus longtemps. Le livre du sort Allo Homora. Oh putain! On n'a pas vraiment de temps de jouer avec les fantômes. Ça y est, on est fichu. C'est la fin pour nous. Harry, tu vas bien? Ça y est, c'est terminé. Pas tout à fait. Il nous reste encore à retourner à la salle commune de Gryffondor. Lance un Allo Homora sur la porte pour l'ouvrir. À ton avis, je fais quoi? Des conneries? Allez, on s'en va. Oula. Il arrive, ça a pété. Bon, il faut partir d'ici. C'était juste. Ron, qu'est-ce que... Je m'en serais douté. Oh, il a eu chaud, hein. Un chien à trois têtes. Avance doucement le Rogue. Hein. Je suis désolée, Harry. Je voulais dire cette porte. Ouais. Alors moi, j'aime pas trop comment ça se dirige ce jeu parce que je suis obligé de remettre devant moi pour que je puisse voir. Ouais. On revient vers les cours et tout ça, là. Ok. Les salles des profs et tout.
Maintenant, on va revenir donc aux étages, enfin aux escaliers magiques. Allez, on remonte. Bouge un peu, Ron. Tu me laisses même pas la peine de passer. Bon, maintenant que j'ai le sort du Homora. Voilà, on va ouvrir la porte là. On va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Là. Il y a un coffre. Sorcier. Kuang Po, magicien chinois ayant découvert l'usage des œufs de santan explosifs. 1443-1539. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu, on va hop, ressortir. Oh, il y a un gros problème, hein. Ce jeu. Heureusement qu'ils ont fait des évolutions dans les derniers Harry Potter quand même, hein, que c'est plus sympa à jouer, on va dire. Mais bon, je vous le fais parce que je vais vous faire l'intégrale, donc. Le Caput Draconis. Elles sont déjà à l'intérieur, elles sont même pas derrière moi. Bon, et on fait quoi maintenant? On termine la journée. Putain, c'était une journée rapide. Voilà. On termine la journée. Et nous, on va terminer là-dessus. Alors, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'était Fabien pour Warriors Gaming. Salut les gens, à la prochaine tout de suite. C'est l'outro. Ciao les gens, à la prochaine.